J'ai commencé au Havre, j'étais formé au Havre et puis j'ai joué au Havre et tout récemment à Châteauroux et là c'est mon troisième club avec Valenciennes. Puis les premières impressions sont bonnes, hein. Déjà je suis arrivé, il faisait beau donc c'était bien. Puis même les infrastructures, le club, tout le monde est sympa, j'ai été bien accueilli donc voilà, j'essaie de m'adapter un petit peu et de retrouver un peu le rythme quoi. J'ai une petite semaine de retard sur la préparation donc voilà, j'essaie de reprendre petit à petit pour arriver le plus vite possible en forme. Valenciennes, c'est un très bon club, hein. Donc en Ligue 2, c'est l'un des meilleurs clubs en Ligue 2. Donc voilà, pour avoir eu le coach et voilà, un peu les membres du club, voilà, je sentais qu'il y avait un projet quand même assez solide de repartir, de jouer au ballon, de produire du jeu, d'avoir beaucoup de plaisir. Donc déjà, ça c'est déjà bien. Puis après, quand je connais un peu la région, la ville, voilà, c'est sympathique. Donc, niveau sportif, c'était bien. Niveau installation, c'est le top. Donc voilà, en plus, d'être dans un bon club, voire un très bon club qui pour moi, mérite d'être en Ligue 1. Donc, je pense que le projet était super pour moi. J'avais de la famille qui, à un moment donné, était dans le nord, là, ils ne sont plus. Et voilà, donc, je venais pas assez souvent, mais je suis déjà venu. Et puis voilà, j'aimais bien. En plus, ici, on est pas loin de tout. Donc, non, c'est super. Donc là, bon, je visite un peu quand même. Hein, je connais pas. Et pour l'instant, ça a l'air de me plaire. Je connaissais très bien David Sommeil, qui malheureusement a eu un accident, mais qui m'a toujours très bien parlé de VA. Et Maudit Traoré aussi, avec qui j'ai joué une saison au Havre et qui je m'entendais très très bien. Il m'a toujours bien parlé aussi. Donc non, j'ai toujours eu de très bons échos. L'ambiance est très bonne, hein, franchement. Voilà, j'ai été intégré sans aucun souci. Personne ne m'a pris la tête, tout le monde est venu vers moi. Donc non, tout est bien. Franchement, j'ai eu un très bon accueil. J'ai rencontré que jusqu'à présent, en tout cas, des personnes sympas. Donc non, je suis de ce côté-là, il n'y a aucun souci. On verra par la suite, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment top, quoi. J'ai pu jouer en défenseur central. J'ai été formé à ce poste-là. Je peux aussi très bien jouer à droite, mais dans l'axe ou à droite, ça me dérange pas du tout, au contraire. Là, c'était mon premier entraînement avec le groupe ce matin. Bon, je sentais que j'avais encore un peu de mal physiquement à reprendre un peu le rythme, je sens un peu la différence. Mais voilà, non, c'est très bien. Je connaissais déjà un peu les joueurs pour les avoir rencontrés l'année dernière, ou d'autres que j'ai déjà rencontrés depuis plusieurs années. Donc non, je connais un petit peu, je connais peut-être pas tous personnellement, mais bon, ça va se faire petit à petit. Bah, j'essaie d'apporter le maximum que je peux. Voilà, après, c'est vrai que ça fait, ouais, j'ai 26 ans et très récemment, donc. Ouais, je suis plus très jeune, je suis pas très vieux non plus, donc j'essaie d'apporter le maximum à cette équipe, au club, et je vais aussi prendre aussi d'eux, je vais aussi apprendre de que ce soit des plus jeunes ou des plus anciens, et ça sera, je pense, un échange mutuel. Je vais donner le maximum, déjà bien me préparer déjà, parce que c'est très important. On va avoir fait une très bonne saison, il faut déjà bien commencer par la préparation. Donc voilà, on va aller petit à petit avec les matchs amicaux et remonter en puissance pour être prêt dès le début de championnat. J'ai hâte de découvrir le stade, j'ai hâte aussi de commencer la saison en fait, hein, pour tout vous dire. Je commence à avoir un peu les fourmis dans les jambes, donc là déjà de reprendre le terrain, bah, ça fait du bien, même si bon voilà, il faut reprendre le rythme, mais j'ai hâte surtout de commencer la saison.